deuxième choix, c'est chiant. Tu peux être insécure, puis t'as besoin de te faire rassurer beaucoup. Ouais. Ah, je suis pas hâte de te regarder. Yo, la fois qu'il est grave, man, il exagère tout le temps avec des bails. Genre. Ouais, ouais, je comprends pas ce que tu veux dire. J'ai un partenaire qui file pas raf pour ça. What's up, guys? Frère des choses, bienvenue à une autre vidéo réaction. Aujourd'hui, on réagit en live. J'ai Sam doing Sam stuff. Ensuite de ça, j'ai T-Claude. Vous avez déjà T-Claude is back. Aujourd'hui, on réagit à la quotidienne. Donc, guys, frère des choses, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Commentez, partagez. Sinon, vous avez déjà là, on est en live. Partagez le live, commentez, abonnez-vous, likez la vidéo. Puis, avant de commencer, vous savez déjà, merci à Salvatore de nous sponsoriser. En plus de ça, si tu commandes en ligne avec notre code MTLEVT, MTLVT, tu as 10% de rabais sur le site uniquement. Pas dans les autres, dans les autres plateformes, pas dans les autres applications, uniquement sur le site web. Mais t'es pas un pi, là. Comment tu le défends? Mais t'es Audi. Tu peux avoir plusieurs jusqu'à comme des dernières. Tu peux avoir une forme ride ou die, that's it. Ouais, tu sais quoi, mais là, tu peux me penser. Moi, je suis pas d'accord. Ah ouais? Moi, je suis vraiment quelqu'un. Si je le fais, je le fais à 100 000%. Je suis vraiment désolée. Non, je suis pas désolée. Elle a passé toute sa rage. Je sais pas ce qu'elle avait. Elle a cassé dans le cheveu en plus. Oh, Seigneur. Pourquoi les animateurs font comme si c'était trop simple? Ouais, elle a changé le ton peu, man. C'est fou de bon. Est-ce un deal breaker pour toi qu'un candidat fume? Qui fume? C'est pas un deal breaker, mais ça part avec un point négatif. Oh! Mais là, qu'elle fume. Fait un demi-minute. Elle fume la cigarette? Fume des gros bails. Oh, God je crois damn, pas bro. Je crois pas qu'elle fume des pailles dans l'aventure. C'est ça, la chose. Elle fume quoi? Ça, ils l'ont demandé, mais... Non, la je pense qu'ils fument des cigarettes, man. C'est ça, parce que c'est la seule chose que tu peux fumer. Tu peux pas là, fumer un gros bout de ja, là. Mais parce que c'est au Mexique. Tu peux pas fumer au Mexique. Elle a bien en blanc. Je me dissocie. Si Byron fait un rewind, je me dissocie. C'est correct. T'as bien en blanc, mais elle a quelque chose en dessous. Non, c'est juste du pain dans l'eau, mais on dirait qu'elle est vraiment... Pain dans l'eau? J'ai déjà mangé pire en tant qu'étudiante, je vous le confirme. Fais 10 push-ups au-dessus d'un autre candidat. Non, hein, regarde, il faut ce qu'il faut. Oh non, 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 pourquoi il a choisi un autre gars? Pourquoi non, 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 Raphaël a enragé, mon cher. Yo, Raphaël est là. Raphaël, come on. C'est vrai qu'il aurait choisi notre femme. Ouais, mais là, il s'est choisi notre femme, ça aurait été oh yo les bails. Moi, j'aurais en ligne, mon gars. J'aurais fait. Tout le monde est consentant, là. J'aurais fait yo, le push-up de ma vie. Check Mamadou puis Catherine. Wow. Mais... Bilal fait comment pour de vrai? Bilal a chaud. Yo, check ça, man. Yo. Il est posé, god damn. Ah non. C'est sa girl. Et puis, buzz, imagine, buzz. Elle se tourne par accident. Oui. Yo, damn. Je me dissocie. Yo! Oh non! Il a dit, regarde-moi, c'est crazy. Hey, oh, aïe, aïe, aïe. Quel candidat est le meilleur au lit selon toi? Oh, oh non! C'est une bonne question. C'est pas Bilal, est-ce que c'est bizarre? Ok, j'ai jugé pour de vrai. Le vérité conséquence devient. Ok, ouais, ça commence à être pop. Je sais pas pourquoi, mais Bilal, il me donne des vibes. Oh! Oh! Bilal, il donne des vibes. Mais quoi, Bilal, à jump? Ou Alexa? Alexa? Mais ça, j'ai demandé, il est où, Alexa? Elle aurait pu dire Alexa. Non, il est en voyage. Mais elle aurait pu dire Alexa, mon cher. Mais il est pas là. Non, mais tu dois le dire, mon cher, tu as boosté son ego à lui. Là, ils vont dire, il y a un peu de fils. Il sait même pas savoir. Yo, elle a vu un gros bout afro-descendant, paquet de tatou. Ben non, mon cher. Yo, mais là, Bilal, bro, il rendait son estime de soi à pop, là. Est-ce que tu étais d'accord dans le tapis rouge qu'il a plaqué Raphaël parce que Raphaël avait pris numéro 4, il a pris sa place et lui, il est descendu numéro 7. Mais non, parce que c'est pas sa faute. Non, il a fait exprès de le plaquer parce qu'il était fâché que Raphaël a pris sa place. Jure. Ben oui. Ouais, ça, c'était on. Ah, t'as pas bien écouté l'aventure. Ça, je calcule. Okay. Le tapis rouge était long, donc. C'est un bon baiser. Oh. Vibe, genre passionné. Oh. Mais quand même, tu sais. Ah, c'est la vérité. Pour hey, yo, les, yo, yo, les Russes. Ah, god damn, bro. Non, là, bah, pour de vrai, j'en donnais pas ce juice-là. Yo, je dis, on dirait qu'elle, genre, c'est plus que tu la vois, plus que tu la files, que tu la files au plus. Je dis qu'elle était fâchée, là. Elle était triste, au moins. Moi, au début, je la filais. Après ça, j'ai comme. Genre, j'ai comme décroché un peu, mais plus que je la vois, gros. Je crois qu'elle peut être la plus belle de l'aventure. Ouais, pour vrai, for real. Ouais. La rousse, voilà, ouais. C'est fucked up à dire. Maud est belle aussi. Ses yeux sont fous. Mais elle aussi, elle a des fous yeux. Hein. Parce que Maud, elle est cute, mais elle manque de personnalité. Ouais, de personnalité, genre, peut-être. Mais sa personnalité à elle, elle pleure.
genre. Christina? Ouais. Non, pas tant que ça. Moi, qu'est-ce que je vois, c'est qu'elle pleure à cause, d'Alexa, là, mais il pleure pas en tant que tel. Mais moi, je pense que, personnellement, là, en tout cas, Larousse... Elle a quelque chose, bro. Un petit bail. Melek a un petit bail, mais Maud aussi, c'est un problème. Maud, c'est un problème. Mais moi, j'aime bien la fille qui est dans les jambes de Maradou. Ouais, ah ouais, Catherine ouais, est sale. Je sais pas, Kat, elle est très belle, mais elle m'attire pas. Mais j'aime sa personnalité aussi. Comme elle est ouverte, elle veut vivre. Ouais. Non, ça, c'est trop ouvert. Durant 6 ans, 9 ans avec le père de ses enfants. Ça. Combien? 9 ans, je pense. Waouh! Wow. Ça fait genre 2 enfants. Ça veut dire qu'elle était en prison, bro. Ça fait même pas quelques mois qu'il pleut avec le père de ses enfants. Elle est déjà OD. Qui est en prison? Allô, je suis comme... Mais t'as fait 9 ans avec un gars, t'es en prison. Là, elle voit un paquet de belles garçons. De quoi, qui ça? Comme là, elle voit plein de beaux gars et t'étais 9 ans en relation. Mais pourquoi ton accent a changé? Non, mais parce qu'il n'a pas compris belle garçon. So, j'ai dit d'une manière plus... Mais il aurait pu dire beau gars parce qu'elle a dit beau gars. Accommodement raisonnable. Accommodement raisonnable. Oh, mais je vais à OD là, moi. Je vous dis déjà. Mais t'as pas le choix. Je changeais zéro accent. Je parlais comme. T'as pas OD là. T'as pas vu les noirs. Je parlais comme un gros mounfou. Je parlais comme je parle maintenant. Tu sais, les latinos, il y a une couple de latinos qui sont allés. Puis même j'ai un accent aussi. Ils ont donné un petit accent. Ah, ben un accent, c'est un arabe. C'est ça. Je donne zéro accent, les gars. Je pense que nous autres, ils vont pas parler comme ça dans la vraie vie, mais là-dedans, ils vont se forcer pour parler. Non. Moi, depuis, on dit un. Là, j'ai donné un joual juste pour que tu comprennes. Après, je reviens. La seule personne qui a jamais parlé joual, c'est Sine. Ouais, mais qu'elle peut pas. Son accent est tellement thick. Mais ouais, ça, en plus, c'est une Latina. Et aussi, ça la dead. Elle a-tu gagné, elle? Ouais, elle a gagné. C'est Sine et Khaled qui ont gagné. Ouais, Cynthia. Ouais. Ouais, elle avait un accent de Mongol. Elle est chaude. Et moi, je peux pas passer. C'est une merde. Ouais. Elle a quel âge maintenant? C'est 40 ans aujourd'hui, non? Bro, elle est encore chaude, là. Je pense pas qu'elle a 40 ans. Mais elle a un bon âge. Ça ferait du sens qu'elle a 40 ans. Elle a un bon âge. Ça fait au moins 6 ans, là. Elle a 35 et 40. Ouais, 40. Vis-à-vis mon intérêt vers Mick. C'est Mick, c'est la personne avec qui j'ai le plus de discussions. Wow. Ça clique. Mais je veux être sûre que je m'enligne vers la bonne personne. Voilà. Pour moi, quand j'ai trop de pression... Catherine, c'est Claude. Non, Catherine est pas mal. Quelle Catherine? Catherine elle ou Catherine la longue? Je pense que c'est la brunette. Ah, la Catherine de Bilal, c'est une grosse Catherine, là. Ça, c'est quelque chose, man. Comme... Sur moi, 10, il donne combien? Non, comme dans un virage, c'est sûr, je prends l'accident avec elle. D'un virage, je prends l'accident avec elle. T'inquiète même pas, là. Oh non. Même si c'est la deuxième fois. Yo, Catherine, fais un virage avec moi, on prend l'accident tout de suite. Deux enfants. Yo, des beaux-pères, là. Je mets même pas de frein. Elle gaze tout de suite. Gaz tout de suite. Okay, je prends toutes les conséquences qui doivent être. Et tu lui donnes un troisième. Oh non. Si, je sais pas si elle serait gênée d'avoir un petit métis, j'aurais donné un petit métis. C'est quoi, au combat? Au combat, le raciste à coup de métis. Voilà. En plus, elle, je pense qu'elle est comme. Elle doit être genre comme portugaise, quelque chose comme ça. Là. Peu importe qu'est-ce qu'elle est, là, je fais le virage avec elle. L'accident est fait. C'est Claude a sorti la appelle la CIA. Appelle le CIA. Appelle CIA. Appelle CIA. On va remarquer ça, gros. My bad. Puis qu'on m'associe trop, j'ai tendance à reculer, puis ça me refroidit. La gang, est-ce qui conclut le jeu? Vérité et conséquence. Non, c'est un gros vérité et conséquence. Ouais. Mais, dans le trailer, ils nous ont bluffé. Un petit cadeau. Ils ont fait quoi comme s'il y avait un bisou? C'est des vieux. Alors, à vous de décider, on a installé un petit setup de date dans la cour. Ouais, 4 ou 6. Moi, je trouve que je l'ai étoffé. Ouais, 4 aussi, en fait. 4. Moi, je suis d'accord. Elle a eu 4, elle a juste eu 4. Je prends de l'eau qu'il a eu dur, Raph. Non. Zune en tête, c'est quelque chose. Ouais, Zune en tête mérite, oui. En plus, dans cheveux, là, c'est pas comme si tu l'as donné dans Figgy. Coucou, bébé. Tu préfères dans Figgy ou non? Dans Figgy, bro. Non, cheveux, mes cheveux sont déjà pas tout bons. Je suis vraiment content pour toi et Mick. Comme si moi et Mick on est mariés là. Je sais pas s'il a compris, mais Seigneur. Hey, est-ce qu'on en parle de Félix qui a la question de le truc de fumage? C'est pas un deal breaker, mais ça part avec un point négatif. Ça c'était ironique en la. J'y avais pas dit encore, je pense qu'il est deviné. Mais ça, en même temps, il était en fait. Ouais, vraiment, c'est juste dommage que là, il a comme lit entre les lignes, puis il a comme compris que je fumais. Mais j'ai adoré sa réponse.
dit encore, mais je pense qu'il y a deviné. Je dissocie de son rewind. Je dissocie de son rewind. Je trouve ça juste dommage que là, il y a comme son rewind. Rewind. De son retour de 10 secondes. Fait que oui, ça pourrait être possiblement quelqu'un qui m'aide à arrêter de fumer. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils avaient de la misère à prendre les vérités? Moi, ça m'a quand même choqué. Moi, j'ai trouvé Christine, genre, elle a vraiment appris personnel les trucs qu'elle a fait. Alors que mec a été fucking clair en plus. Quel candidat n'est pas ici pour trouver l'amour? Oh. Je veux dire, cri-cri. Non, non. Je commence à le prendre mal. Mais non, mais tu sais que c'est pas vrai. J'en voulais pas. J'étais comme, genre, je peux pas en vouloir à Nick. Je sais que je dis ça parce que je suis la réponse la plus facile parce que tu sais que j'ai une connexion avec Alex. Ouais. Fait que, genre, t'es vraiment genre, le choix. Dans ma tête, à moi, tu t'en aurais qui. Oui, j'avoue que là, je suis déjà en fleur de peau à cause de ce truc-là. J'étais de même. Ça m'a juste fait chier parce que j'étais comme, peux-tu me lâcher à grave? Ouais, je comprends. Ouais. Pas que je l'ai pris personnel parce que je suis vraiment une personne qui est susceptible. C'est que j'avais peur ça, que les autres candidats qui m'ont appris à. Non, mais là, j'aime pas sa personnalité. Regarde ses yeux. Regarde ses yeux. Elle est susceptible. Elle, yo, elle est cute, man. Elle a quelque chose, bro. Elle est cute, mais parce que toi, t'as dit sa personnalité. Non, mais là, là elle a montré qu'elle est susceptible. Ouais, mais là, elle est un peu émotionnelle. Je sais pas, est-ce que t'es comme pas émotionnelle dans la vie, genre? Non, je suis très émotionnelle. Ah, ouais, t'es émotionnelle? Elle est comme émotionnelle. Non, mais toi, t'es. Elle est comme émotionnelle, genre princesse, genre, tu comprends? Okay. Okay. Ouais. C'est quand même chill, dépendant. Non, moi, je suis pas un mec princesse. Moi, j'aime les filles qui me disent ta gueule, genre. Oh, ouais? Oh, ouais. T'aimes prendre des calottes, hein? Non, j'aime donner des calottes. Yo, je mets des saucisses. Mais... Yo, je suis là-dedans, là. Yo, je suis plus là-dedans, là. Je suis là-dedans. Non, non. OK. OK, justement, juste... Parce qu'on... Attends, mais t'aurais passé une calotte à elle? Ah, normal, elle serait devenue tout rouge en plus. Oh non. Yo, genre, yo, my bad. Si je rentre en prison sur celle-là. Sale, yo, yo, malade, bro. Depuis, j'ai vu qu'elle a commencé à devenir rouge à cause que le partenaire est parti avec Fanny. Oh, yo, oui. Bro. Je peux pas dire qu'est-ce que je peux pas dire ça devant vous, non, chat. Mais, check ça, mais yo, je t'ai yo. Mais cute. Mais elle c'est juste sa chose. Personnalité que je trouve qui est comme. Ouais. Yo, tu deviens. Son émotion, c'est comme ça. Mais je pense qu'elle est cute, même. Je sais qu'après, comme un. Même pas. Mais laquelle après trois mois, genre, jeune. Ça me tendrait. Je sens, mais elle est jeune. Elle a comme 23. 23 ans. C'est ça, 23, t'es jeune. Mais on dirait cette batch-là est vraiment jeune. Ben, ils sont tous jeunes, vous devrez. Ben, Amélie a 22, elle a 23. C'est ça, Stéphanie avait 31. Ouais, 31. Mais j'ai inspiré tout le monde à quoi, 21, j'ai vu. Ouais, le gars qui est out, là, il y a 21. Non, non, ça, c'est ça, c'est Alexa. Jérémy. C'est pas... Jimmy, lui, c'était il avait le plus jeune. C'est lui qui est parti. Okay. C'est le plus jeune. Là, je veux savoir, on va faire un fuck, marry, kill, OK? OK, fuck, marry, okay. Kill. Les gars. Ça me fait tellement bizarre de dire Félix. J'ai l'impression que je parle de mon frère à chaque fois. Oh oui, c'est évolué. Fucking red, là, je vous jure. Félix, en tout cas, ben, je pense vraiment à mon frère chaque jour. Hein? Est-ce qu'il y avait une personne qui avait l'air moins honnête que les autres, selon vous? Anna, elle a patiné là, sur la question avec Mick. C'est Mick, c'est la personne avec qui j'ai le plus de discussions, mais je veux être sûre que je m'enligne vers la bonne personne. On n'arrête pas de dire qu'il va y avoir d'autres candidats, fait qu'on dirait qu'elle attend d'autres candidats. C'est clair que je suis sur ta part, mais sans plus. Mais moi, si dans ta situation, j'avoue que ça me tiendrait. On dirait que je commence une pause orgueille où des fois, j'ai comme un goût de temps de... Ça revient à la côte que j'arrête pas de dire, c'est que t'as pas envie d'être une option, tu veux être un choix. C'est pas grave, moi, finalement, j'ai pris ma décision, il y a une seule personne, puis c'est pas elle, c'est personne. Ben, moi, je te plais, c'est un peu c'est sûr, quand tu te mets c'est ça. Pas, c'est moi, ça. Je suis fucking vulnérable. Je sais pas, j'ai comme l'impression que. On va me faire avoir. Quoi, c'est quoi mon gameplay? C'est posé de quoi? Ben, je sais pas, t'as-tu quelque chose que tu veux y parler? 10 000 views, on ramène Bilal, for real. On va le ramener. Yo, on va voir plus que 10 000 vues, là. Tu crois? Pas toutes, avec Bilal? Ce serait for real. Bilal, yo, il est comme à sortir de... Mais moi je vais le parler. Moi, je vais le parler sur Inbox. Hein, je vais dire, yo, bro. Déjà, commence déjà le live. Je te dis beaucoup, mais c'est parce que t'as pas bien bougé, bro. T'as pas bien bougé, là. Il a quelques questions en balance. C'est quand même intelligent à voir. Ben, pas juste un peu intelligent, bro. Non, shit. Si tu fais juste vibe, tu vas avoir manqué ton opportunité de dire quelque chose. T'as raison, ok. Numéro un, que je dois garder. À la prochaine pause, moi, j'ai besoin que tu Google. À la prochaine pause, j'ai besoin que tu Google. Qui a besoin de te faire rassurer. Oh, c'est des petites questions comme ça que ça fait du bien, puis tu le fais, puis après ça, elle va remarquer que mais maintenant, je regarde sa face, je pense à si ça. T'es vraiment toxique, mec. Si tu l'embrasses, pour vrai, c'est, le monde va faire genre fuck, faut que ça soit live. Non, parce qu'après, ça m'empêche de parler à. On s'en fout, bro. Pourquoi tu veux parler à plein de femmes? Mais t'es à OD, man. Pourquoi tu vas te caser déjà? Tu vas te caser live, tu veux le 600 000 ou pas? Je peux pas. Go. Non, lui est là pour la mort. Moi, je suis là pour le cob, man. La femme veut pas baver avec moi, c'est fini. Là, j'ai l'octobre tout le long, là, le show. Ose regarder un autre mec.
Mais non, tu veux web bavé, c'est fini, là. Locked up. Une femme à OD, on va dire... Ça, c'est elle que personne aime, right? Ouais, Catherine, ah ouais, elle. Il aime mais pas, quand même, elle est mais parce que tout le monde, c'est genre son... Elle, c'est genre elle le deuxième trop, choix. De toute façon. Okay. C'est ouais. Le deuxième choix de beaucoup de gars. Puis elle a file pop et à chaque fois, tout le temps, elle pleure. Elle pleure. Pour la deuxième, mais va viser des gars qui sont pas trop demandés, là. Les Carl. Ben, ils sont tous Carl. Ben... Carl n'est pas trop demandé. Ouais, mais là. Carl n'est pas là. Mais oui, Carl est là. Mais il n'est pas dans cette maison-là. OK, mais tu comprends. C'est égal, les filles et les gars? Il y a le même nom de filles et le même nom de gars. Je pense que oui, mais dans la maison, ils ne sont pas égales. OK. Ouais. Hola. Ça va? Oui, toi? Oui. T'es magnifique, mademoiselle. Si. Content d'être là? Ben oui, ben oui, ben oui. Cheers. Cheers. Je suis pas content d'être en date avec Catherine, honnêtement, je suis vraiment content qu'elle m'ait choisi. J'aurais aimé ça que tu choisisses aussi. Mais je t'aurais choisi. Tu m'aurais choisi? Ouais, je t'aurais choisi. Oui, c'est vrai. C'est un capper, bro. Non, mais c'était un petit payback. Ouais, un capper avec les réactions. Elle aurait aimé que ce soit moi qui ai le choix parce qu'elle aurait voulu voir mon choix. J'aime pas ça être mélangeante, moi, Mélic, parce que c'est tellement ma gueule, genre, que c'est comme déstabilisant, puis tu sais, t'es séducteur quand même. Je veux que tu parles. Non, mais c'est correct, moi, j'adore ça, mais tu sais, c'est déstabilisant pareil. Je veux juste quelqu'un qui est capable de me choisir vraiment. Fermement, puis ouais. Que je veux que quand même il me choisisse, mais je le sente un peu de son monde. Puis qu'il te choisisse tous les jours, ouais, pas juste sur. Puis que genre, qu'il soit sûr qu'il veut être avec moi malgré tous mes défauts, malgré toutes mes qualités. Est-ce que tu dirais que t'es quelqu'un qui est un peu peut-être insécure, puis t'as besoin de te faire rassurer beaucoup? Ouais, je pense que oui. Peut-être que je suis insécure. Ça c'est off, bro. Une femme insécure, c'est off. Genre, ok, mais comme... tout le monde est un peu insécure dans la vie, c'est mais normal. Non, non, oui, c'est normal. C'est ça. Mais non, pour de vrai, tu non, le c'est dis pas, tu le dis pas normal. Clairement. Tout le monde est un peu insécure dans la vie. Moi, j'étais insécure back then, puis j'ai réglé mon problème. Tu penses que t'as zéro insécurité? Crois... Non, c'est pourquoi il était insécure parce qu'il était gros avant. Non, c'est comme ça. J'ai su que t'étais insécure parce que il était gros. La première fois que je fais un entrevue avec lui, il me parle de gros, des affaires, mais moi, je comprenais pas, ça sortait gros. Là, je regarde des entrevues, après, là, j'ai compris que lui était gros. Gros, okay. Lui, il à l'autre pause, j'ai besoin de voir la photo que t'étais gros. Ok. Oh, j'allais. Non, mais moi, l'insécurité, c'est comme... J'ai pas dit qu'il y a beaucoup de femmes qui, des fois, sont insécures, puis il faut que tu les rassures, c'est correct, ouais. Mais... Je pense que c'est juste qu'à un moment donné, ça devient gossant. Maintenant, ouais, une femme, si elle ouais, toujours la rassurer. Ouais, genre, est-ce que ouais, tu m'aimes? Est-ce ouais. que tu m'aimes? Tu m'aimes? Ouais. Genre, ça devient à un moment donné que c'est plus attirant. Là, ouais, ouais, je comprends. Pas que... Mais yo, elle a toutes les raisons d'être insécure parce que là, elle est rentrée dans OD puis ouais. Le deuxième choix de tout le monde. Ouais. Fait que si je suis rentrée mais déjà. Mais t'es deuxième une... choix, t'es pas quatrième choix. Mais t'es deuxième là. Choix. C'est la seule, il y a plus de troisième choix. C'est ça, ça. C'est chiant, là. Personne te choisit. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Yo. T'es humain, là. En plus, faut jamais avouer un gars que t'es insécure parce que là, maintenant, t'es banane. Hein? Faut jamais dire un gars que t'es insécure. Ouais, mais. Là, il va jouer sur mais ça. Tu hein? peux ouais. le savoir, ouais. mais tu peux le savoir. Tu peux le savoir, mais ouais. je vais stand on it comme si non. Tu comprends? I'm a lie. Ça veut dire que t'admets que t'es une capuse? Moi, je suis pas une capuse. Moi, je suis fraîche. Je m'en fous. Ça, c'est un capuse. Tu m'as ouvert. Ah, oh, c'est ça, t'es un des autres, t'as pas pris le deuxième écran? Avec ce qui se passe, ben, je peux pas. Je peux le faire jusqu'à un certain moment. Mais là, c'est pas avec des idées, Charles. C'est déjà d'enfant. Ben non, mais c'est juste qu'il faut que je continue à. Ben oui, à explorer tes affaires. Puis exact. Melek fait partie de l'équation. Puis j'ai pas envie de commencer à dire des choses à une, dire des choses à l'autre, puis ça clash ensemble. J'ai vibré avec toi, je pense que je l'ai mis au clair. Moi, je pense que tu peux aimer plein de monde en même temps. Sur ça, c'est au dé, c'est tellement l'impression que t'essayes tellement de faire. C'est quoi ça, tu peux aimer pleinement toi, en même temps. Toi, t'es fait pour l'île de l'amour, on dirait. Ouais, mais ou je comprends story. Pas c'est quoi le bail de l'île de l'amour, man. Moi non plus. Différent. C'est quoi le... Non, moi, je sais pas. J'écoute pas l'île de l'amour. Si okay. Pour dire ça, on dirait que c'est plus pléu à l'île de l'amour. Ouais. Non, parce que comme... Mais au dé, je sais pas, man. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une saison dans la vie, je sais pas laquelle, où ils se sont casés dès le début. Puis comme ça, on dirait que les suivants, les saisons après, tout le monde a pensé que c'est ça. Mais c'est pas supposé être ça. T'es supposé explorer jusqu'à comme les deux, trois dernières semaines. Là, elle là, est trop sûr, folle. Ben non, mais non, mais non. Ouais, parce que là, deux, trois, de... comment ouais. tu vas faire le bro, ton 500 000 comment, imagine, parce que les bro. Deux, trois dernières tu dois semaines. Tu sais... dois t'attacher avec oui, le mais public. Tu parles, il faut que tu saches avec qui que tu vas bien t'entendre pour que le public voit le vibe. Parce aussi. Qu'on voit que vous êtes fake. Parce qu'en plus de one, ça, il faut, pas, il faut que les gens oublient des fois que ça aussi, c'est après OD. Là. C'est ça, ils ont une vie encore après OD. Il faut que tu fasses une vie. Divorce comme Adamou et je me prononce. Ouais, j'avoue que ça peut marcher aussi. De quoi on parle là, bro? C'est fou quoi? Non, on ne dit pas que ça ne marche pas. Mais une chimie, tu peux pas le fake. Si je te choisis. Ah, moi je te fake la chimie ouais, comme mais tu veux. Si je te choisis je la première bisous, semaine, puis la troisième semaine, la je vois tes wacks. Je pourrais plus faire ça. Je t'appelle chérie, je te tiens par la main, je te fais tout. Crois-moi. Pour 250 000 c'est pas ça, la chimie. C'est quoi la chimie? C'est pas ça la chimie. Okay. Ça se voit la chimie. Okay. C'est pas des mots. C'est pas dire chérie, là.
On peut s'embrasser live, moi, plutôt, il n'y a aucune chute. Oh, non, let's go, c'est live, go, go, je me dissocie, je me dissocie. Non, non, c'est live, tu crois. Marquez dans le chat, marquez dans le chat, vous êtes dans. Non, 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 chat, chat. Sam, là, j'avais déjà parlé avec comment elle parle. On dirait que c'est une grosse playeuse. J'ai un peu peur. You guys, moi, je suis une lover. I believe in love. Si je serais allée à OD, je serais allée pour l'amour. Dis-le. Vive l'amour. Je t'ai mis top 1. Oui ou non? Oui, tu as mis top 1. Mais je pense que le sling d'OD me dead aussi. Le top 1, ça me prenne le temps de se connaître. Puis exact. Vraiment voir si ça connaît. Il était semaine 3, là, quand même. Apprendre à se connaître, là. Mais il n'est pas dans la même maison. Il n'est pas dans la même maison, tes chiens. Ils apprennent à se connaître, tes chiens. Il n'est pas dans la même maison, c'est normal. Mais semaine 3, on apprend à se connaître, je veux dire, mais on se French aussi. Là. Ouais, mais c'est ça, ouais. On se French aussi, tu vois, elle est une player. Ben, non, mais comme parce qu'il faut bro. Que tu vois la chimie. Toi-même, ça, tu l'as dit. Ça, c'est une loveuse, les gars. On est quatre gars. Les gars, est-ce que ça, c'est une loveuse? C'est pas une loveuse. Yo, ça change quoi? Parce que, mettons, si tu couches, est-ce que toi, tu couches en première soirée avec une femme, oui ou non? Moi? Ouais. Et moi, je sais pas si ça a écouté mon d'amour et de. Dis la fin là, mais première soirée, oui ou non? Première soirée, ça. Oh. Il est juste maladroit. Moi, je suis très maladroite. L'exclusivité, ouais, nice. Timide, timide. Ici pour président. Non, pas timide. Oui. Non, Némissa était un grand charmeur. Patreon pour le reste. Je garde un petit pied d'or parce que j'ai peur qu'il soit un peu de même avec toutes les filles. Mm. Ouais, girl, t'es à OD. T'es sécure? Ah, tu que quand tu me regardes de même, je suis capable. Non. Ah, oh, je suis pas capable de te regarder. Yo. Ah, yo. La fois qu'elle est grave, man, il exagère tout le temps avec des bails. Genre. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'ai un partenaire qui file pas grave ouais, pour ça. Ouais, ouais. Mais les filles aiment ça. Regarde comment elle est contente. Ouais, j'avoue que ça. Ah ouais, t'aurais aimé ça que quelqu'un que exagère comme mais ça? Duh, tu boostes mon ego. I love it. Okay. Yo, Baron, on doit prendre des trucs, là. Ouais, ouais, je suis vraiment gêné. C'est pas une technique de Cruz de jouer au faux gêné. C'est clairement ça. Non. Je suis gêné. C'est ça, ça. Ah, ok, ça, c'est son chat game. Ok, il est fort, man. Mais des fois, les femmes aiment ça, les petits gênés. Ouais, il est fort, man. Aiment ça, les petits gênés, des fois. J'ai un petit peu gêné. Wow, la tête. Ma bad, j'ai volé le bail, man. C'est terrible. Attends, j'écris à une femme live si je suis gêné. C'est pas une technique, le faux gêné. Mais tu sais, c'est sûr que ça ajoute un peu un. Je sais que ça plaît aussi. Si tu trust. C'est ça, ma question. 100%. Est-ce que tu niaises? Non, je suis sérieux. Tu trouves que j'ai l'air. Je sais pas. Je sais pas si tu veux me faire confiance. Il est séducteur, je suis un peu séductrice. Fait que, tu sais, on se ressemble. Est-ce que je peux lui faire confiance si lui, il pense que je peux pas me faire confiance? Séductrice, mais personne t'a choisi. Peut-être que je fais aucun sens, là. Ah, je suis capable de toi. Comment tu te sens par rapport Comment? Au couple qui se crée? Toi puis moi, tu pars? Ouais. Ouais. Peut-être le mettre, mais flouter. Non, ils vont rien flouter, ils le mettront jamais. Je pense que. Le Québec est trop prude. Mettons, ça se développerait. On serait sûrement peut-être les premiers à venir approcher. On va peut-être avoir vite envie de s'embrasser. Wow. J'aime bien la petite. Donc, Melek est off, il a dead. Quand même, il a réussi à faire un bon flip. C'est ça, j'avais le goût mais, de ça, ouais. Mais parce que Melek va aller à Félix. Toi aussi, t'es cute. Pour ça, il a pesé son boudin un peu. Mais on est encore très tôt dans l'aventure. Ouais, il n'y a pas pour ce soir, je pense que j'aime. Pourquoi, man, pourquoi vous embrassez pas? Ça veut rien dire, là, embrasser une femme. Non, 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 moi, je pense que ça veut dire beaucoup. À OD, ça veut dire beaucoup. Eh non, man. Hola! Ah, rap, il est là? Pourquoi il parle tout espagnol? C'est franco. Et son Mexique. Hey, je sais. En plus, il dit juste hola. C'est juste hola. Ça s'est bien passé, honnêtement. Encore une fois, super beau vibe. Superbe date. C'était vraiment. Des beaux petits. Elle a tombé à l'amour à chaque fois. Toujours dans la séduction. Il est très séducteur, mais aussi, je suis très séductrice avec lui. Je me sentais charmé. Je me sentais charmeur. Il me demandait s'il pouvait me faire confiance. Tu sais, comme moi un peu, elle flirty. Tu sais, j'ai vraiment un intérêt pour Kat. Mais veux pas, je peux pas lui donner toute la rassurance qu'elle voudrait parce qu'il y a Melek de l'autre côté. Ben moi, si je fais un choix, ben je vais pas changer d'idée. De l'autre bord, là, c'est pas du papillonnage gauche-droite. De l'autre bord, c'est t'embrasses une fille, t'es 7 avec la fille, tu comprends? C'est normal, mon cher. Non, c'est wack. Il faut link up tout le monde. J'ai 2 semaines pour choisir entre. Tu dois tester avant de savoir qui tu choisis. Melek, puis j'ai pas encore parlé à Anna. T'as entendu ça, Byron? Il faut embrasser tout le monde, c'est ça qu'elle dit. Pour voir qui a le meilleur ratio, genre. Mais je pense que ça passe mieux si t'es une femme qui embrasse tout le monde. Non, ça passe pas. Ça passera pas. Moi, t'as embrassé Byron, t'as embrassé lui, t'as embrassé lui. Oublie ça, là. J'ai trop regardé, j'ai dit, oh, viens sur moi, chérie. C'est ça, puis entre vous, les gars, vous êtes comme, ah non, elle a Frenchy ici, elle a Frenchy. Ben oui, bin, mon cher, c'est comme si t'as checké une top, ça a 3 gars. Après, tu me checker. Hey, après, viens, veux pas me boune en bouche, là, après, là. Hey.
Ah ouais, t'es immature, t'es immature. Mais non, bro, on s'en fout. Mais t'as checké une top dans les trois semaines de OD. T'as checké une top, t'as checké une top, t'as checké une top. Moi, je suis le quatrième gars qui va venir. Mais ça prend la top aussi. Ça, c'est sûr, je prends une top. Mais tu vas la lingue aussi, comme tu es. Yo, dans le chat, est-ce que c'est off, mettons, une femme. Mettons dans. Yo, ça, c'est le YouTube le plus wild que j'ai fait, là. Mettons, il y a une femme qui arrive dans une compétition, puis il y a 10 gars, puis il faut vous devez vous placer avec le gars, puis cette femme-là embrasse tous les gars, puis elle vient sur vous. Est-ce que vous êtes down avec ça ou pas down? Mon cher. Yo, moi, je suis comme. Ça me dérange pas, man. C'est juste Frenchie, c'est pas la deep. Ouais, c'est ça. C'est pas être tough. Être tough, c'est un petit peu plus. Ouais, c'est beaucoup plus. Mais embrasser, c'est rien. Pourquoi t'es off, bro? Vous êtes fou. Parce qu'il y a des gars, imagine. Non. Ouais, vous êtes fou. Mettons, après deux mois que t'as pas Frenché quelqu'un, ben là, c'est pas super. Là. Yo, comme semaine 1, tu parles à quelqu'un sur French, c'est soit ça passe ou ça casse. Semaine 2, tu comprends? Si ça casse, semaine 2, t'en French un autre. Si ça casse, semaine 3, t'en French un autre. Oh! Ainsi de suite, jusqu'à temps que ça pogne avec quelqu'un. Mais on va dire, le premier, l'engob passe. Mais tu peux rester avec si ça tente. Là, tu restes. Mais toi, t'aurais peut-être. On dirait comment tu parles, t'aurais peut-être vu quelqu'un d'autre. Après, t'aurais dit, OK, lui, il embrassait vraiment bien, so là, je reste avec lui. Ouais, mais si, admettons, je reste le deuxième, puis là, je commence finalement, le premier était mieux, je vais retourner. Parce que, wow. Bro, est-ce que toi, dans tes dates, est-ce que tu t'en vas, quand tu prends, mettons, petit Claude, est-ce que dans les dates que tu fais, mettons, quand tu files une femme, est-ce que tu t'en vas, tu closes le date avec un bec dans la bouche, moi, un French? Non, moi, je suis pas dans. Si Claude date pas, il est trop sage. Je date pas, moi, je date pas. Je OK, tu date pas? Il vient, il passe des calottes, puis il prend des tops. Puis est-ce que. Je me dis aussi. Je me dis aussi. On va écouter l'épisode. Je suis dans marre, moi, là. Ouais, t'es dans marre. Parce que tu t'assumes pas, c'est ça que t'es dans marre. C'est vrai. Pas avec Athènes, mais je m'ennuie d'Alex. Est-ce qu'il va revenir pour avoir le même sentiment? Mais oui. Qu'il avait quand il est parti? Bien sûr. C'est pas lui qui a choisi d'y aller. Moi, je suis une personne qui est dans les situations catastrophes dans ma tête. Parce que j'aime mieux me dire que le pire arrive. Ouais, mais le problème, quand tu mets ces scénarios-là, tu penses que tu te prépares, mais tu gardes toujours un espoir que ce scénario-là arrive pas. Fait que tu restes que t'es déçu quand même. Puis en plus, t'as comme. Le sens, c'est vrai. C'est vrai, tout ça. Mettons que Fanny et Alexa, ça se donne là, en voyage. Sont mixtes, est-ce que vrai? Vous pensez c'est nice, que Christina est vraiment en danger ou est dans les intérêts de pas mal de monde pour danger? Moi, je pense que si ça se donne avec Christina Fanny, danger? Elle va être crazy. Genre, elle cause quelque chose en maison? Ouais. Ouais, elle. Oh, c'est chien. Allô! Bye. Tu sais comment elle parle comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Je m'en viens vous annoncer un petit scoop. Oh ouais! Nice. Cette semaine, il va y avoir. Quand j'aime bien la petite robe de Alicia. Mm-hmm. Où tout le monde va y être. Ouais! Fait que c'est le premier party de la saison où vous allez tous être là. Nice. Alors vous allez pouvoir apprendre plus à vous connaître. C'est quoi le thème? C'est quoi le thème? Je suis contente que ça soit enfin un party ensemble. On va se faire full du fun. Merci! Bye! On va voir Alexa. Ça, c'est dimanche, hein? Pas juste ça. Ouais. Ça se peut pas que ça soit juste aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, yo, on est 36 dans le chat. Let's go! Let's go! Ouais. On va à 40, messieurs. Attends, je vais faire un live dans mon IG. Peut-être que ça va aider. Nicole Boussy Lamoun. On est tous, je veux pas. Bon, ça, c'est vraiment ça. Nicole Boussy Lamoun, c'est ça que tu peux le faire. C'est un petit feeling que j'ai. Puis habituellement, quand j'ai des feelings de même, je sais que ça va se passer. Qu'est-ce que tu fais? Quand que c'est l'heure de juger les supposés couples. Genre. Mettons que j'ai un choix de filles, je vais essayer de protéger plus Maud puis Fanny, mettons, ouais, leurs intérêts. Et moi, j'aime Maud, mais Maud est belle, bro. Avec les personnes. Je les connais pas, là. Fait que, mettons, il reste Maud puis Mams, puis genre Mick puis Anna. C'est sûr, j'ai une ligne Mick puis Anna. Comme, dans le fond, vous seriez jamais prêt à laisser le hasard décider. On s'est inscrit dans un jeu de séduction. Qu'il y a aussi de la confrontation, des frictions. Genre. OK, donc ça sous-entend que tout le monde joue une game. 100%. Moi, je crois à ça. C'est une game d'échecs en quatre dimensions. Fait que dans le fond, la bonne nouvelle d'avoir un party toute la gang ensemble, c'est comme transformer en mauvaise nouvelle parce que là, tout le monde commence à parler de stratégie. Je suis moyen d'accord là, que parce que je mettons quelqu'un décide de parler à quelqu'un ou choisit quelqu'un, c'est jouer une game. Les décisions que tu prends ici affectent ton aventure, bro. Moi, j'ai perdu Steph, comme. Mais toi, t'as gardé. Comment tu veux donner des calottes aux gens? C'est quoi le gars, il a perdu Steph? Il est tu sais quel, là, gros? Le gars, il a dit. Oh, non. Christina. Yo, le gars, il dit qu'il a perdu Steph, mais c'est lui-même qui l'a mis en danger, bro. C'est un mec bizarre, bro. Il est bizarre, confus, bro. Il a dit qu'il a perdu Steph, bro, mais c'est lui-même qui a pas décidé de pas sauver
Non, mais parce qu'il n'est pas stratégique. Lui, il voulait sauver, il voulait y aller pour l'amour. Vas-y pour l'amour maintenant. J'ai pas encore vu Alexa bouger parce que le fait qu'il s'est payé... Alexa, il est en voyage. Il est en voyage, c'est dimanche, on va le voir. Hein? Ouais. Ouais, mais déjà éliminé. Ouais, t'es éliminé comme moi, ouais. Télé, t'as ta barouette. Non, mais il t'avait qui, Alexa? Alexa, il est avec Fanny. Alexa? Tu vois, là, ils sont deux femmes boostées. Il y a Fanny, Maud et Catherine. Ah oui, là, Fanny, il est parti avec Fanny. Fanny. Mais pour vrai, elle est boostée, mais... Elle est boostée, mais elle n'a pas réussi à choose. C'est ça. Pas. Elle n'a pas, soit elle a pas choisi un préféré, genre. Ouais, puis aucun gars non plus la feel tant que ça. Yo, elle était pas... Dans les trois, elle n'était pas la top 3. Elle n'était pas la top 2, genre. So, les gars ont négligé mademoiselle, je trouve. C'est ça. Et elle est stratégique as fuck, mon gars. Ouais, mais vraiment. Tu vois, Aliska, à cause de 6 pieds 8, il pourrait gagner au début. Mais il n'est pas 6 pieds 8. Il est jaloux. Yo, je suis un hater. Non, je suis un hater. Ouais, je suis jaloux. Au pire, je suis jaloux. Jaloux, for real. Non, parce que tu sais pourquoi il est 6 pieds. Je ne suis pas d'accord parce qu'il est 6 pieds 8, mais il y a des gars qui sont à côté de lui. Lui, ils ont juste une tête de plus. Mais non, pas vrai. Il a une tête de plus, c'est comme un 6 pouces. Mais pourquoi il aurait menti? Il n'a pas menti. C'est juste que les gens, ils voient que tu es grand, pour eux, tu es géant. Attends, mais lui, je crois qu'il est comme un 6-4. Lui, il a dit qu'il est 6-8. Ah, il a dit qu'il est 6-8. Ah, moi, je crois que tout le monde disait qu'il était 6-8. Il est 6-8. Je vais le voir en vraie vie. Est-ce qu'il est à Montréal? Non, c'est un gars de Sherbrooke. Hein? Un gars de Sherbrooke. Je vais demander à Negroski. Si tu arrives à l'avoir, bro, ce serait bon. Parce que lui, il risque de gagner l'aventure. Quand il va gagner l'aventure, je crois pas qu'il va faire des petits podcasts. Il va tout de suite commencer big. Non, mais ils sont tous, on va la voir, bro. Ah ouais, trust, tu crois? On va la voir. Mais toi, t'as une chance de fou, bro. Ouais, ils sont signés. Ils viennent comme agence, ouais. Ben, il faut qu'ils parlent après à son agence. À l'agence, ouais. Donc, c'est ça, il faut qu'ils parlent avec son shit, puis les trois acceptés, fait que c'est correct. Yo, mais toi, je crois pas, t'es béni sur ça, man. T'arrives à avoir tous les gars d'Audi. Je le donne. Je le donne. Rien, man. Tu parles 100% des shots, you don't take. Yo, bro. Qui tente rien à rien. Parce que même, comment tu me disais, l'affaire média, là, toi, t'es fou. Ah ouais, fuego. T'es un gros player, je te le donne. Dans tes cartes. Le top 1 a fait changer. Il nous a dit que c'est important pour lui de nous dire que c'est maintenant Catherine son top 1 puis c'est Melek son top 2. Si j'aurais voulu être stratégique, j'aurais choisi Melek. Je m'avais jusqu'à la fin avec Melek. Melek, elle me choisit depuis le tapis rouge. Gros, puis moi, j'ai une activité avec Melek. Il est crétin, là. Il aurait fait 600 000 $ comme ça. Stratégie de ci, stratégie de ça. Maintenant, on peut-tu juste. Je regarde Raphaël, puis il aussi pourrait gagner, honnêtement. Mais ça, c'est mon gars, mais le problème, c'est qu'il est crétin. Pourquoi t'as commencé à faire 6 formes dans le même bail? Yo, il est là pour l'amour, lui. Il est trop là pour l'amour. Non, tu parles de Mamadou, Raphaël? Non, Raphaël, il est trop là pour l'amour. Raphaël, comment? Il est là pour l'amour. Yo, il y a une femme qui le file depuis le début. Cours avec elle, bro. Non, mais je pense que Raphaël est là pour l'amour, oui, mais il sait bien jouer une game aussi. Fuck, non, il est fou, bro. En tout cas, moi, je voyais loin, là. Il y a une stratégie, on le traite de... Mais tout le monde a une stratégie, moi je vais arrêter. L'idée qu'on est tous pas des stratèges, tout le monde est un stratège. Tout le monde a une stratégie, c'est vrai. Il pèse beaucoup ses actions et tout. Là. Moi j'aurais voulu étudier le scénario où est-ce que je sauve Steph, puis Melek serait retrouvé potentiellement dehors. Jamais si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ta gang? Je savais. Le sens, c'est négatif. Oui, mais surtout vous envers moi. C'est une mauvaise. C'est une mauvaise. On le sait, là. Non, je pense que c'est un bloc. C'est une bonne. Yo, le gars m'a mis un fucking affaire de glace, man. Une brique. À part de ça. Oh my god. Grâce à Nautilus Plus, deux candidats vont avoir la chance de partir en aventure en ville. Tout est là, man. Entre la jungle et le bord de mer. Ça a l'air incroyable. Ce cadeau-là est offert à. Anna! Anna, tu peux choisir ton partenaire. Toutes maisons confondues. OK, je vais être mix. Wow. Le fait que ce soit elle qui m'a choisi sans vraiment hésiter puis tout, ben, je suis content. OK, mais ça va être fucking malade. Oui! Je me vois déjà comme descendre dans la forêt avec mon vélo. Pou. Au yeux des autres gars, ça fait vraiment comme. Ben là, la fille a dit qu'elle garde ses portes ouvertes, puis elle veut vous connaître, mais elle prend un gars dans sa maison. En même temps, t'as dit dans ton top 1, tu comprends? De vivre avec Mick, c'est quand même le mot style de savoir s'il y a un intérêt à développer quelque chose de plus. Tu sais, on est comme.
en colocation. Fait que je voulais vraiment y aller avec Mick pour voir qu'est-ce qu'on peut devenir. C'est sûr que mon top 2, c'est Félix. Ah ouais. Non, Félix, ses abdominaux m'intimident un peu. Les abs de Félix sont légendaires. Charlotte à Félix. Félix, viens ici. Quand tu vas sortir, viens ici. Les affaires sont pas bonnes. T'es pas obligé de mettre un chandail. Il va me faire aller au gym sérieusement pour mes abdominaux. Tu vas pas au gym, toi? Ouais, je vais au gym, mais juste pour avoir ma... Déjà une autre semaine de terminer. C'est pas avoir, t'as